Croque-loup aime les livres, d'Ophélie Textée. Pour Nina et Yvan. Croque-loup aime les livres. Aujourd'hui, papa bricole dans la chambre de Croque-loup. Il fait beaucoup de bruit avec son marteau. Croque-loup aimerait être au calme pour lire son livre. Alors il s'installe dans le canapé du salon. Mais sa petite sœur Marie-Lou et son amie jouent en poussant des cris. Croque-loup décide d'aller dans la cuisine, mais là, maman écoute un air d'opéra. Comme il fait beau, Croque-loup sort dans le jardin, son livre sous le bras. Mais son chien Loulou l'accueille en aboyant. Décidément, où peut-on lire tranquille dans cette maison? Croque-loup se réfugie alors dans la cabane du jardin. Il s'installe confortablement sur les coussins et ouvre enfin son livre. Dans la cabane, on voit un doudou, le lapin, et une raquette de badminton, et son doudou, le renard. Croque-loup ne sait pas encore vraiment lire. Alors, il rêve en regardant les images. Il lit un livre d'ours. Quand soudain, « Croque-loup, où es-tu? J'ai une surprise pour toi !» lui crie son papa. Croque-loup prend son livre et accourt dans la chambre. Son papa lui a installé une bibliothèque comme les grands. Et il a mis tous les livres de Croque-loup. « Oh, merci !» s'écrie Croque-loup en sautant dans les bras de son papa. Voilà.